Buenos días. Yo me presento. Yo me llamo Señor Bunazer, llamado por Señor Fuego, en servicio en Liceo de la Revolución. Entonces, hoy tenemos clase de español. Primeramente, usted mismo lo sabe, que el mundo entero está en crisis sanitarias. Antes de empezar, tenemos que lavar las manos con hidroalcohólica y tenemos que respetar la distanciación social, toser en hueco del codo, evitar los animales salvajes. Y usar el babero. Eso nosotros lo llamamos por babero o la mascarilla. Me lo pongo. Bueno, nuestra clase de hoy, aquí tenemos nivel terminal A, asignatura español. Componente gramática. Entonces, lo que yo decía, aquí tenemos nivel terminal A, asignatura español, componente gramática, tema, formación del plural, título, el plural de los sustantivos y adjetivos. Al final de la lección sobre la formación del plural, los alumnos de la TEA deben ser capaces de identificar por lo menos 60% del plural del sustantivo y adjetivo a partir de un ejercicio puesto por el profesor. Bueno, presta bien la atención. La formación del plural nous dit ceci. Concerne todos los sustantivos y adjetivos, ella comporta casi de misma manera en función o según la terminación, añadiendo S o ES. Cela revient à dire en français la formation du pluriel, la règle générale nous dit ceci, concerne aussi les noms que les adjectifs. Elle comporte deux cas en fonction de la terminaison du mot, soit en ajoutant S ou en ajoutant ES. Suivez bien. La première règle nous dit ceci. La règle numéro 1. Tous les mots terminés par une voyelle. Je vais les citer. Nous avons A. Nous avons A accentué. Nous avons E. Nous avons E accentué et nous avons O. Leur formation du pluriel, c'est en ajoutant S. Je dis formation du pluriel, nous allons ajouter S. Exemple. Deux points.
Exemple, deux points. Ici, là, je vais faire singular. Nous avons le mot kama. C'est au singulier. Nous avons le mot sofa à accentuer. À accentuer. S. À accentuer. Nous avons le mot serré. Nous avons le mot café avec le E accentué. Et nous avons plateau. Nous passons maintenant à la formation de pluriel de ces mots. Quel est le tenement qui a serré? Tenement qui a niadir nadama la lettre S. A qui tenement kama. Kamas. Mais ne confondez pas. Kamas, ici en espagnol, c'est le lit. Kamas. L'article. Las camas. Parce qu'en espagnol, le féminin pluriel aussi existe. Nous avons sofa. Le pluriel las sofa. La sofa, là, beaucoup se demandent, c'est le canapé. Là où papa et maman peuvent s'asseoir. Et ici, nous avons serré. Ce que vous avez l'habitude hein, de voir hein, chez vous à la maison. Et si nous avons café avec l'accent grammatical, ne confondez pas avec l'accent tonique. Ça, c'est l'accent grammatical. L'accent tonique, c'est l'affortement sonore d'un mot. Là où on augmente la voix. Mais ici, là, ça, c'est l'accent grammatical qui nous sert à différencier deux mots qui se prononcent de la même façon. Mais la structure grammaticale diffère. Un mot très mal accentué en espagnol perd sa crédibilité ou sa valeur. Café et plateau. Ici là, la cama, las camas, la safas, le lit, le canapé. Series, le café, plateau, ce sont les assiettes. Ça, c'est la règle numéro 1. Nous passons maintenant à la règle numéro 2. La règle numéro 2 nous dit ceci. Tous les noms terminés par une consonne, leur formation du pluriel, c'est en ajoutant ES. Mirez bien, todas las palabras que se terminan por una consonante, su formación del plural añadiendo la ES. Donc ici, là, je peux mettre consonne. Nous allons ajouter ES. Ejemplo. Vamos a hacer la misma fórmula singular plural. Bueno, aquí tenemos el caracol.
el caracol. Aquí está al singular. Aquí tenemos el color. El color. El color. Tenemos la pared. Y tenemos el pantalón. Entonces vamos a poner toda esa palabra al plural. Comme notre règle nous dit ceci, tous les mots terminés par une consonne, leur formation du pluriel en ajoutant ES. El caracol, nous allons mettre los caracoles. Caracol en français c'est escargot. Escargot. Je peux mettre. Hein? Escargot. El color. Los colores. Les couleurs. Couleur. Pared. Las paredes. Ce que je vous ai toujours dit, le féminin pluriel existe en espagnol. Je vais écrire encore plus gros. Las paredes. El pantalón. Los pantalones. Voilà, ça c'est la deuxième règle. Nous passons maintenant à la troisième règle. La troisième règle nous dit ceci. Tous les mots terminés ou les noms terminés par Y, leur formation du pluriel, c'est en ajoutant ES. Mais attention, en espagnol, la lettre I et Y, c'est presque la même chose. Donc, on peut dire que Y doit incorporer les consonnes. Mais ici, il y a une très grande différence. Ici, maintenant, la lettre Y va incorporer maintenant des consonnes. Donc, tous les mots terminés par Y, leur formation du pluriel, c'est en ajoutant ES. Je vais reprendre en espagnol. Todos. Todas las palabras que se termina en Y, sous formation del plural, añadiendo la ES. Donc, règle numéro 3. La règle numéro 3. Tous les mots terminés par Y, leur formation du pluriel, c'est en ajoutant ES. Ejemplo, aquí singular y aquí plural. Ejemplo, el rey, el buey, el rey en francés
significa le roi. El buey en español, en francés, significa la vache. Entonces aquí, los reyes. Los bueyes. La règle numéro 4. Nous passons maintenant à la règle numéro 4. Les noms terminés par la lettre I accentuée. C'est là où ça cause problème. Mais soyons attentifs. 3, 4, oui, 4. Règle numéro 4. Les noms terminés par la lettre I accentuée, ça est là. Là, c'est I accentué. Leur formation du pluriel, il y a deux formes. On peut ajouter S ou on peut ajouter ES. Faites extrêmement attention. C'est de mirar bien qui. Porque hace como dos años pasado. Salió en bachillerato. Bastante candidato fallaron. Entonces aquí cuídese. Cuando usted ve la I con el acento, la formación del plural, usted tiene que añadir la S o la ES. Ejemplo. 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 El abale. El abale. El abale. Entonces aquí, los abalis. Ou à balise. Ça est là. Les deux réponses sont justes. Les deux réponses sont justes. Ici, directement, nous avons mis S et ici, on a mis ES. Nous passons maintenant à la règle numéro 5. La règle numéro 5 avec U accentué. Je vais d'abord effacer la partie là. Théorème numéro 5, la règle numéro 5. Les noms terminés par la lettre U accentuée. Je mets ça bien. Parce que le plus souvent, les candidats au baccalauréat n'arrivent pas à mettre l'accent grammatical. Ils ont toujours tendance de dire que vous nous trompez. Mais alors qu'en espagnol, ça existe. Ah, elle là. U accentué. La formation du pluriel, c'est en ajoutant ES. Ici, directement, c'est en ajoutant ES. Exemple, très facile, el tissu.
très facile. Et en français, c'est le tissu. Très bien. Parce qu'on est des calligraphes. Un enseignant, c'est un calligraphe. Le Yamamos, la calligraphie. Donc ici, l'os. Voilà. Et ça, en français, c'est le tissu, ce qu'on porte. Voilà la différence. Il faut toujours mettre l'accent grammatical. Nous passons maintenant à la règle numéro 6. La règle numéro 6, soyez un peu attentif. Là, c'est un peu compliqué, cher candidat. La règle numéro 6 nous dit ceci. Dès que tu maîtrises correctement ce cours, à l'expression écrite, tu n'auras plus de problème. Parce que c'est la rédaction. La règle numéro 6 nous dit ceci. Tous les mots terminés par Z. Les mots terminés par Z, leur formation du pluriel, c'est en éliminant Z. On le remplace par C. La lettre C étant consonne, la formation du pluriel, c'est en ajoutant ES. Voilà. Retenez cette petite formule. Mais ce ne sont pas des mathématiques. Là, c'est l'espagnol. Bien, je vais donner un exemple. Ejemplo. Ejemplo. Nosotros aquí tenemos el lápiz. El lápiz, el acento. El pez. La luz. El arroz. Tous ces mots-là se terminent par Z. La formation du pluriel, c'est en éliminant Z. Nous allons remplacer par C. La lettre C étant consonne, la formation du pluriel, c'est en ajoutant ES. Je respecte d'abord l'article. Elle, ça va directement à l'os. Là. L P C Las Lu C Los Aro C. L'os, on va bien mettre ça. Peces. L'os. Peces. Très bien. Nous passons maintenant à la traduction en français. Et lapis. C'est le crayon. El pez, c'est le poisson. Mais ne confondez pas el pez et el pescado. El pez,
C'est le poisson vivant qui est dans l'eau. Elle pesca de ce que nous appelons par le Saint-Char. Autrement dit, Moseka. C'est le poisson. Et ici, là, nous avons la lousse, c'est la lumière. On ne peut pas confondre El Bombio et la lousse. El Bombio, c'est l'ampoule. La lousse, c'est la lumière. Et ici, nous avons Arroses. El Arro, le riz. Bien, nous passons. Formule numéro, la règle numéro 7. La règle numéro 7, soyez attentifs. Bien, la règle numéro 7. La règle numéro 7, c'est les mots terminés par S. Faites extrêmement attention. La règle numéro 7, c'est les mots terminés par S. Suivez bien. Tous les mots terminés par S, s'ils sont monosyllabiques, je vais expliquer le mot. Monosyllabique, S. Je dis bien les mots terminés par S, s'ils sont monosyllabiques. Qu'est-ce que j'entends d'abord mono? Mono est égal à 1. Et ça complète par syllabe. Qu'est-ce que j'entends par syllabe? Syllabe, c'est un groupe de mots. Là où il y a des voyelles et consonnes prononcées en une seule émission de voix. Mais si on nous dit ceci monosyllabique, c'est qu'il y a une seule syllabe. Regardez un exemple. Exemple. Deux points. Je vais vous donner un nom monosyllabique. Elle. Miss. J'ai encore la. Mais monosyllabique, il y a une seule syllabe. Je ne peux jamais diviser ce mot par groupe syllabique. Mais cependant que le mot là, monosyllabique, je peux diviser ça par groupe syllabique. J'ai monosyllabique. Là, il y a plusieurs syllabes. Mais cependant que le mot mais, je ne peux jamais diviser ça par groupe syllabique. Mais par contre, comme ça se termine par S, ne pensez pas que c'est invariable. Ça, faites extrêmement attention parce que nous avons, au bac, nous avons l'exercice là où il y a l'identification et correction des fautes. Faites extrêmement attention. Donc, ici, là, que faut-il faire? La formation du pluriel en ajoutant ES. Los meses. Las toses. Los meses, les mois, las toses, la toux. Voilà, règle numéro 8. La règle numéro 8. La règle numéro 8 me dit ceci. Tous les mots polysyllabiques. Je vais écrire le mot au tableau. Tous les mots polysyllabiques veut dire il y a plusieurs syllabes. Leur formation du pluriel, c'est en ajoutant ES.
Les mots polysyllabiques veut dire ici, il y a plusieurs syllabes. Même si ça se termine par S. Leur formation du pluriel, c'est en ajoutant ES. Nous avons le mot, par exemple, elle intéresse. Et après, je vais vous montrer si c'est vrai que c'est un mot polysyllabique, là où il y a plusieurs syllabes. Nous avons le mot, elle compasse. Nous avons le mot, elle congolaise. Voilà le mot là, polysyllabique. Là, il y a plusieurs syllabes. Par exemple, le mot intéresse. In, groupe syllabique. Te, groupe syllabique. Et res. Mais ça se termine par S. Leur formation du pluriel, nous allons ajouter ES. Los intéresses. Los compases. Los congoleses. Mais attention, ces mots-là, il y a maintenant un problème. Si vous avez senti qu'il y a des accents, nous allons maintenant éliminer les accents grammaticaux pour respecter le son de l'accent tonique qui est l'affortement sonore d'un mot. Voilà les mots polysyllabiques. Nous passons, on continue. Ça, c'est maintenant la dernière règle, la règle numéro 9. La règle numéro 9 nous dit ceci. Les mots polysyllabiques. J'écris d'abord les mots polysyllabiques. J'écris d'abord polysyllabique. Les mots polysyllabiques. Les mots polysyllabiques terminés par S. Non accentués. Je dis bien non accentué à la dernière syllabe. Mais cependant, ici, à la règle numéro 8, c'était les mots polysyllabiques accentués à la dernière syllabe. Mais ici, là, c'est maintenant non accentué à la dernière syllabe restera invariable. Suivez ici. Donc ici, non accentué. Je mets l'accent, je barre. Polysyllabique terminé par S, non accentué à la dernière syllabe, restera invariable. Par exemple, la crise. C'est polysyllabique, cri et six. Il y a plusieurs syllabes. Nous avons la thèses. Mais je peux encore ajouter les jours de la semaine. Sauf sabbat et domingo. On ajoute les jours de la semaine. Lunes, martes, miércoles, jueves. Viernes, viernes. Les jours de la semaine.
Je vais former le pluriel. Ici, là, je vais tout justement modifier l'article. Ça est là. Las crisis. Las thesis. Los lunes. Los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, sauf sábado y domingo. J'ai écrit ici, notez bien. Sauf sabbat et domingo. Et ici, là, on dira los sabados. Et los domingo. Domingo. Domingo, c'est dimanche, hein? Parce que vous avez tendance de dire vieux domingo. Domingo ici, c'est dimanche. Donc, ça est là. La crisis, c'est la crise. La thesis, la thèse. Lunes, lundi. Martes, mardi. Miércoles, mercredi. Jueves, jeudi. Viernes, vendredi. Donc, ces mots-là sont invariables. Ce sont des mots invariables. Maintenant, nous allons maintenant passer à notre exercice pour voir si les apprenants où les élèves de la terminale, les pré-étudiants, ont compris le cours. Nous allons maintenant passer à notre exercice. L'exercice là, ça sera à faire à la maison pour voir si vous avez compris le cours. Et ce lo que llamamos tareas. Tarea, c'est une tâche que vous allez faire à la maison. Intenta de hacerlo porque es muy importante. Si comprenderon muy bien sa clase, aquí tenemos identificación y corrección de las faltas. Ici, là, en voyant bien, il y a deux exercices. Parce que avant de corriger la faute, on doit d'abord repérer la faute. Los peces viven en el agua dulce. Los congoleses respectan. Los congolais respectent la distanciation sociale. Los congolais respectant la distanciation sociale. Abra las crisis económicas mundial. Los reyes son las personas idénticas como nosotros. Los abalis son animales salvajes. Aquí está
el ejercicio. Este ejercicio son cosas, son lo que ustedes van a hacer en las casas. Los reyes son, son personas como nosotros. Hace falta un punto aquí. Bueno, nosotros hemos terminado la clase. Entonces, para evitar esa enfermedad que está matando la gente, pongo mi barbero, arregla mi camisa y mi traje. Chao, hasta luego.